Nous voici donc arrivés au spot habituel de la Turbie. Voilà, où on s'est garé, toujours au même endroit. Il y a un peu plus de végétation que d'habitude. Pour l'instant, le temps se maintient. Ils ont prévu un temps à peu près comme ça aujourd'hui. Moi, ça me convient, comme ça, j'ai pas trop chaud. Ça me va bien. Il y a écrit GMK par terre, tes mains. En solon. Oh, les traces de pneus, mec. Incroyable. Eh bien, nous sommes à l'endroit où Monsieur Georges s'amuse un peu avec ses voitures. Ainsi que notre ami Raoul. Et là, on voit les aberrantes traces de pneus. Voilà. Magnifique. La dinguerie. Évidemment, la vue est folle. Ouais, tu dois avoir une bonne vue là-bas. Ouais. Et le mec, il a carrément peint les... Incroyable. En mode vidoir, tu sais. Incroyable. Oh là là. La vue, elle est folle. La vue, elle est folle. N'importe quoi. Waouh. La dinguerie. Regarde les maisons de pierre là. Oh là là, la baraque. Oh. Oh, celle-là, là, un peu en rond, un peu en tipi. Là. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une Lamborghini, mais tu sais, les vieilles, le 4x4 Lamborghini. Mais le ah premier, ouais, tu sais, ouais, le ouais, je vois. Ouais. Tu passes devant. Ok, donc le troisième cycliste, il est passé ou pas? Non, mais on le voit arriver. Ok, tu me dis dès qu'il a passé le virage. Ok, on est parti. Je te laisse ça comme tu peux.
route de la Turbie, on arrive à Cap d'Aille. Et bah, c'est aussi un des endroits où j'ai le café des vignes. Et des drifts d'ailleurs avec frérot Raoul dans ce genre de coin. Qui sont quand même assez propices aux drifts, n'est-ce pas? Alors là malheureusement on n'a pas un temps exceptionnel, on a de la pluie. Bon, j'espère que ça va se calmer un petit peu dans la journée. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on kiffe parce que l'endroit est. Il y a de la merde pour rentrer dans Monaco, il y a du monde là. Bon, par contre, ouais, c'est blindé apparemment. Je t'avoue, dans les bouchons avec la Mazda, tant d'axe. Bah, on verra bien, de toute façon. Bah, on croit qu'on sera dans Monaco, là on arrive bientôt. Mais bientôt en termes de kilomètres, mais en termes de temps, ça on sait pas. Nous voici sur le circuit de Monaco. Et où la radio? On peut voir qu'ils ont installé tout pour le Grand Prix de Formule 1. Du coup, là, on est vraiment sur le circuit. Bon, j'entends pas ce qu'il dit, mais j'ai laissé le son. Il manque le soleil, mais bon. Exceptionnel quand même là ce qu'on fait. Pouvoir rouler vraiment sur le circuit quand il est monté, c'est dinguerie. C'est dingue.
c'est à gauche. Et là, je crois qu'on ne peut pas passer. On sait plus, ouais, c'est tout droit, mais d'habitude, on prend à gauche. Du coup, je sais pas s'il y a accès au musée. Sur 100 mètres, ah oui, on peut prendre par là. Attends, mais t'as un stop. Le décor, on le reconnaît pas. On reconnaît, mais c'est complètement différent. Là, je me croirais dans mon jeu vidéo. Hein. C'est vraiment le tracé du circuit avec toutes les décorations et tout. C'est putain. Waouh. De départ. Voilà les amis, c'était le tour du circuit de Monaco. Di Macabure, anche di moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai beaucoup de choses à faire. J'allais pas trop me déplacer, tu vois. Et nous voici arrivés sur la digue de Monaco où on se fait des petites photos des voitures. Voilà. Bon, malheureusement, il pleut légèrement. Mais en tout cas, on a passé un super moment, notamment avec notre ami Raoul. Ouais, on a rencontré Raoul. Incroyable. C'est franchement un truc de fou là. Ah ouais, c'est une dinguerie. Bon, il y a un gnou là qui se met des photos et kiffe. Il profite. Voilà. Mais super, franchement, c'était une journée incroyable. Ouais. Mais elle n'est pas finie encore, attends. Elle est pas terminée, bien sûr. Prendre à droite sur tunnel Pascal Molinari. Enfin l'Italie.